Bonjour, bonsoir. Je nous connais déjà. C'est une habitude, nous toujours saluer avant de commencer l'étude. Si c'est matin, nous disons bonjour. Si c'est à soirée, tout, nous disons bonsoir. Nous comptons pour nous remercier ou même qui t'a fait toute l'année 2023 ou tu as travaillé ensemble avec nous ou tu as suivi nous sur l'étude. Nous n'avons pas de découragé. Ou t'es toujours commenté, ou t'es toujours like, ou t'es toujours partagé. Et au même tout qui nous vote sur Chanel là, nous souhaitons bienvenue ou la KO. Chanel là, c'est Chanel étude biblique liée. C'est Chanel qui cap informer comment pour capable prêcher la parole de Dieu, comment pour capable interpréter. Et pas oublier la petite idée, et livre nous gagne, c'est l'héménotique biblique. Comment on est capable d'interpréter la Bible et comment on est capable de prêter la parole. Pas seulement la Bible, même yon côté où il fait, comment on est capable de prendre la parole. Tant d'autres, nous avons l'interprétation qui c'est méthodologique, qui dit elles suivent que les événements de la Bible sont des mythes et non des historiques réels. Elles sont voisines de l'interprétation. Et journalistes qui cherchaient d'expliquer la Bible au moyen des nations. Dieu vous bénisse. Je vous dis à nous pour nous une méthode historique grammaticale. Méthode historique grammaticale qui gagne la donnée, les outils de l'interprète, qui gagne la donnée, ça a besoin de concordance biblique. Ou besoin dictionnaire biblique, ou besoin commentaire biblique, et ensuite ou besoin s'appeler des atlas de la Bible ou des cartes géographiques. Dieu vous bénisse en abondance. Méthode de historique grammaticale, elle met en phrase sur les faits historiques et les règles grammaticales. Cette méthode vise à connaître ce que les voulait communiquer assez déterminé. Elle n'est pas le langage figuratif, mais elle apprécie le littéral. Les outils de l'interprète, quand elles soient les métiers exercés par quelques-uns dans la vie, il doit avoir propres outils, ainsi l'interprète de la parole dédiée d'avoir comme instrument. La Bible, elle doit être le premier outil de chercher. Tous les autres livres doivent venir après elle, c'est Dieu qui parle à travers Sainte Écriture. Outils, n'a pas besoin qu'ils outils l'interprète. Ou même cap exercer, ou même cap prêcher la parole de Dieu. Premier outil ou besoin gagner la Bible. La Bible là, c'est lui-même premièrement pour gagner dans mot. Parce que n'importe passage ou pas l'interpréter, premier ça pour faire, c'est Bible ou à ouvrir. Lorsqu'il ouvre Bible là, et bien il ouvre Bible là, et puis ouvre dans chapitre ou pas l'ouvrir ou pas lire, et bien dans lui-même ou pas le faire sa clé. Des recherches ou pas chercher l'autre livre parce que c'est par rapport des livres là bon Dieu par la smavo des écritures c'est peut-être ça il dit c'est Dieu qui parle à travers les écritures c'est pourquoi elles doivent être l'outil indispensable pour l'interprète elle est notée que ces derniers peuvent utiliser plusieurs traductions de plusieurs versions dans la mesure des dix possibles. Eh bien, c'est très façon, eh bien, il faut gagner parce que, eh bien, il y a quelques langages ou pas besoin pour dégager, il y a quelques bagages ou pas besoin pour interpréter, eh bien, il faut qu'on gagne les outils saillants. C'est ça pour faire un bon interprète, il faut qu'on soit capable bien observer. Et une bonne observation possède une bonne interprétation. Une mauvaise observation possède une mauvaise interprétation.
Deuxièmement, on a besoin d'une concordance. Une concordance, c'est un outil mais important pour les chercher son usage, lui permettre de trouver toutes les références bibliques ou figurer un mot, de aussi de préciser son sens. Ouais. Une concordance biblique, c'est un outil important pour les chercher son usage. Concordance biblique là, c'est un outil qui est très important pour nous-mêmes qui avons interprété la Bible. Eh bien, lui nous trouve comment pour capable bien préserver parole là. Lui nous trouve faire des recherches tout, des références. Exemple, si m'a fait une référence, si m'a pris dans Genèse, eh bien les mal li dans Genèse, eh bien les mal dans concordance moins dans Genèse, et mes concordance à lui-même, si verset a ou bien il vient sortir, il parle de dans l'autre livre, eh bien concordance a immédiatement la voix qui côté m'a joigné. Si m'a parlé de Genèse 2 verset 7, eh bien dans création, eh bien si il y a un autre verset qui parle de ça encore dans l'autre chapitre ou bien dans l'autre livre, immédiatement m'ouvre concordance moi, eh bien l'a dit mais qui verset, mais qui chapitre, mais qui livre, eh bien m'a joigné même passage là et comme ça tout m'a joigné l'autre qui a pour des lits qui est associé ensemble avec lui et comme ça tout concordance là il montre bon sens moi. On a besoin des dictionnaires pour connaître la signification des mots. Il est nécessaire d'avoir les dictionnaires bibliques, les commentaires classiques ne peuvent pas nous fournir une signification claire et nette des concepts théologiques. Dictionnaire biblique, on a besoin parce que les mêmes lycées ont un élément qui est très classique, eh bien, ils permettent ou capable fournir, ils permettent ou capable jouer une signification claire qui ça mot yo dit. On a besoin les commentaires bibliques. Les commentaires bibliques, ils nous donnent les détails sur la nation historique et culturelle des temps bibliques. Quelquefois, il interprète la pensée de l'auteur. Les commentaires bibliques là, liés d'eau, liés au détail, dans qui nation, qui histoire nation, et puis qui culture moun, et dans qui tantôt, l'été parlé et qui auteur qui écrit. Exemple, si nous prenons Moïse, eh bien, dans l'Exode, il dit ben nous de Moïse. Eh bien, l'abdi nous, Moïse t'écrit, c'est Moïse qui était livre Exode là, et puis maintenant qui t'en décrit, mais qui histoire Moïse, mais qui tu Moïse t'es qu'on utilisé. Ouais, l'abdi nous, tout ça, nous gagnons besoin, les commentaires bibliques. Pour finir, nous avons besoin des atlas de la Bible ou des cartes géographiques. Si vous avez un sacré atlas de la Bible, vous êtes capable d'utiliser une carte géographique. Carte géographique, pour que soit utilisée, ils nous permettent de bien situer la région dont parle l'auteur du livre. En définition, ouais, vous avez besoin de faut qu'on ait une carte géographique. Carte géographique, est bien. Abdou, maintenant qui côté Bible a été écrit et l'abdou, mais qui auteur qui écrit Bible. Exemple, si m'a parlé eh bien de Malachi ou bien m'a parlé de Genèse ou bien m'a parlé de Zacharie ou bien de Isaïe, eh bien avec commentaire biblique ou bien carte géographique moi ou bien yon atlas de la Bible, eh bien l'a dit moi comme ça, mais qui côté eh bien Bible a été Bible a yé, mais qui côté verset a yé, mais qui moun ki écrit, maintenant qui région moun sa li même, l'itérité, et maintenant qui zone l'été écrit, passage ça.
En définitive, tous les instruments qui peuvent permettre ouais, à l'interprète de faire un travail convenable sont recommandés. Les mélodies bibliques liées d'eau en pile façon, liées d'eau comment pourquoi pas pratiquer la Bible, comment pourquoi bien interpréter la Bible, et qu'on s'attoure bon, des outils ou bien besoin pour faire un bon interprète. Parce que nous tous, quand prêcher la parole de Dieu, c'est un interprète nous y. Ce n'est pas nous-mêmes qui écrit la Bible, c'est nous-mêmes, nous pas écrit la Bible, et bien c'est un interprète nous, c'est interpréter, nous interpréter, l'en porter un message. Et bien, nous avons besoin de ça comme outil à l'attendant. Nous avons besoin de sacrer et la Bible, et nous avons besoin de sacrer une concordance, nous avons besoin de sacrer dictionnaire, nous avons besoin commentaire biblique et n'a besoin quatre géographies. Pour l'attendant, n'a gagné ça yo. Et bien, en retour, nous gagnons pour nous venir ensemble avec les règles générales de l'interprétation. Je souhaite que bon Dieu bénisse chaque monde qui prend le temps de vidéo ça. Je souhaite nous bon partage. Merci d'être que vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez like. Merci d'être que on va le faire, nos amis. Vive et dites là tout. Mon déjà souhaité tout le monde bonne année 2024. Que année ça lui-même, tout ce qu'on va réaliser fait dans 2023, que 2024 là, on réalise.